outil, une clé historique qui peut donc aussi vous servir pour investir. Nicolas Pécourt pour en parler avec nous. On va apporter cette clé historique aujourd'hui à nos auditeurs. Nicolas, vous allez nous parler des frères Pereire. On avait déjà parlé il y a quelques mois du baron Haussmann. Et donc retour aujourd'hui au Second Empire qui semble décidément vous inspirer. Qui sont les frères Pereire? Et puis vous nous direz ensuite ce qu'ils ont apporté à l'immobilier en France. Alors les frères Pereire, il s'agit de Émile Pereire qui est né en 1800 et Isaac Pereire en 1806. Alors tous deux sont issus d'une famille modeste à Bordeaux. Émile va être envoyé à Paris à l'âge de 22 ans auprès d'un oncle banquier qui va lui apprendre la finance. Et Émile va, tout comme son frère Isaac qui va le rejoindre un an plus tard à l'âge de 17 ans, Émile et Isaac Pereire vont se révéler de très bons financiers, de bons entrepreneurs avec l'aide notamment des Rothschild. Alors l'idylle ne durera pas très longtemps. Alors ce qu'il faut retenir brièvement avant de rentrer dans le détail, c'est que les frères Pereire vont être associés à la formidable expansion économique du Second Empire. Ce sont de grands entrepreneurs. Ils vont entreprendre dans les chemins de fer, dans l'immobilier, dans la banque, dans les transports maritimes, dans les mines de charbon, etc. Et donc c'est une belle histoire. Alors, qui s'est terminée un peu moins bien qu'elle n'a commencé. Mais pour autant, ça reste une très belle histoire économique. Il y a des personnages qui, souvent, comme tous ceux qui sont associés au Second Empire, est une histoire qui est insuffisamment connue. Et ils ont participé à bâtir cet immobilier, cet urbanisme dans lequel on vit aujourd'hui et dans lequel vous souhaitez peut-être investir si vous avez des projets. Les frères Pereire, le boulevard Pereire à Paris, ça dira peut-être quelque chose aux Parisiens. Alors, vous venez de nous le dire, ils ont activement participé au développement économique du Second Empire, mais en quoi précisément ont-ils marqué l'histoire de l'immobilier? Alors on ne peut pas parler de l'histoire de l'immobilier sans parler des frères Pereire, pour au moins trois raisons. C'est d'abord les chemins de fer, et qui dit chemin de fer dit nouvel urbanisme, construction de gares. C'est ensuite la banque, on va le voir avec le crédit immobilier, créé la même année que le crédit foncier, vont participer activement au financement de l'immobilier. Et puis ce furent également de grands promoteurs en matière immobilière. Allez, on démarre avec les chemins de fer. En quoi est-ce qu'ils ont marqué l'histoire du chemin de fer et en quoi ça a transformé aussi l'urbanisme dans lequel aujourd'hui on vit? Les frères Pereire, ce sont des pionniers du chemin de fer en France. Alors les chemins de fer, en ce milieu du 19e siècle, c'est un peu comme les débuts d'Internet au début des années 2000. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'Angleterre, il y a une ligne qui a été inaugurée dès 1830, une grande ligne. Les États-Unis, la Belgique s'y sont consacrés assez tôt et la France était plutôt en retard. Et donc les frères Pereire vont s'y intéresser, vont partir en Angleterre pour étudier un petit peu comment fonctionnent les chemins de fer. Et une opportunité va se présenter, cette opportunité va leur être offerte par Louis-Philippe, qui en 1835 leur concède une des premières lignes de chemin de fer, c'est Paris-Saint-Germain-en-Laye, c'est 19 km. Donc ils vont s'y atteler, ça va être un succès. Va suivre une seconde ligne Paris-Versailles, et puis plein d'autres projets, tant et si bien que de cette aventure des chemins de fer sous le Second Empire. Pensez par exemple qu'en 5 ans, entre 1852 et 1857, en 5 ans, le nombre de kilomètres de lignes de chemin de fer en France a tout simplement été multiplié par 8. Et à cette époque, parmi les 6 grandes compagnies de chemin de fer, eh bien, deux d'entre elles étaient animées par les frères Pereire, c'était la compagnie du Nord et la compagnie du Midi. Donc on voit qu'ils ont joué un rôle éminent. Alors pourquoi c'est important pour l'immobilier? Parce que qui dit chemin de fer dit gare, dit un nouvel urbanisme. Si on prend l'exemple de Paris, c'est par exemple la création de la gare du Nord en 1846, c'est celle de la gare de l'Est en 1852. C'est également la gare Saint-Lazare dans laquelle va arriver la ligne Paris-Saint-Germain-en-Laye. Voilà, c'est fascinant, hein, tout cela date dans le fait du Second Empire. Ça veut dire qu'il y a des gens qui dans leur vie ont connu la Révolution française et le chemin de fer. Eh oui, les deux. Incroyable, comme aujourd'hui certains ont vu peut-être la Deuxième Guerre mondiale et puis ce qui nous attend avec la voiture autonome dans 15 ans. C'est quand même étonnant. Après les chemins de fer, les banques, l'immobilier aussi dans lesquels ils ont beaucoup investi, ces frères Pereire? Alors, après le chemin de fer, l'immobilier et les frères Pereire, alors déjà dès 1830, les frères Pereire vont avoir l'idée de créer une banque qui ferait appel à tous les épargnants. Parce qu'à l'époque, le milieu financier, ce qu'on appelait la haute finance, en fait, ne s'intéressait qu'à l'épargne de certaines personnes. Et il va falloir attendre Napoléon III qui va percevoir la nécessité de mobiliser l'ensemble de l'épargne disponible auprès de tous les épargnants et de la mobiliser au service de ce développement économique, développement de l'industrie, développement des infrastructures, on l'a vu avec le chemin de fer, développement
notamment de l'immobilier. Et donc les frères Pereire, avec la bénédiction de Napoléon III, vont créer le crédit mobilier. C'est en 1852. C'est de leur faute alors. C'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Et 1852, c'est aussi une très belle date puisque c'est celle de la création du crédit foncier. Et le crédit immobilier et le crédit foncier vont participer activement au financement de l'immobilier. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, les établissements financiers de l'époque ne s'intéressaient pas forcément à l'immobilier. Ils étaient plutôt concentrés sur les infrastructures, sur l'industrie. Et ces deux établissements, on est en pleine époque haussmannienne. On en a parlé en septembre. Hein. 1860, le baron Haussmann agrandit le périmètre de Paris. On a quelque chose comme 215 000 nouveaux logements qui vont être construits pendant 17 ans. Et donc, le crédit immobilier, comme le crédit foncier... C'est un nouveau business qui se crée, en fait. Participer activement à ce développement de l'immobilier en le finançant. Il nous reste 2 minutes. Vous le disiez, hein, ils ont agi dans la finance, à travers la banque, pour financer l'immobilier, les chemins de fer. Et l'immobilier, vraiment concret, les paysages urbains dans lesquels on évolue, on leur doit aussi, aux frères Pereire, ces paysages ? Alors, on leur doit pleinement ces paysages. Je prends rapidement l'exemple de Paris. Dès 1854, ils créent une société qui s'appelle la Société de l'hôtel et des immeubles de la rue de Rivoli, alors qui, comme son nom l'indique, va se consacrer aux opérations immobilières autour de la rue de Rivoli. Et puis, 4 ans plus tard, ce sera la Compagnie immobilière de Paris. Alors, rapidement, ils vont s'intéresser à plein de quartiers, et notamment, Guillaume, vous l'évoquiez tout à l'heure, la plaine Monceau. Ils vont acquérir 8 hectares qu'ils vont lotir avec des grands hôtels. Ce sera le quartier à la mode. Mais là, ne s'arrête pas leurs aventures dans l'immobilier. C'est eux également qui vont créer de grands hôtels, le Grand Hôtel du Louvre, on est en 1854, et ensuite le Grand Hôtel, qui est aujourd'hui l'Intercontinental, qui va être inauguré par l'impératrice en 1862 avec le Café de la Paix à l'angle de ce Grand Hôtel. Et puis il y a Paris, il y a également la province, ils vont s'intéresser à Marseille, et puis ils vont s'intéresser aussi à Arcachon. Alors Arcachon, c'est près de leur ville natale, Bordeaux. Ils vont tout simplement prolonger le chemin de fer jusqu'à Arcachon, ils vont acquérir plusieurs milliers d'hectares, et ils vont participer donc au développement de cette nouvelle station qu'est Arcachon. Et qui se développe beaucoup aujourd'hui. Hein, Arcachon, dont les prix s'envolent à l'image des prix bordelais juste à côté. Et c'est à eux aussi qu'on doit cette station balnéaire d'Arcachon. C'est aussi aux frères Pereire qu'on doit ce développement de l'Arcachon. Justement, qu'est-ce qui reste de leur œuvre aujourd'hui pour ceux qui s'intéressent à l'immobilier, qui veulent comprendre où ils investissent ? Il reste peut-être deux choses. D'un point de vue macroéconomique, c'est vraiment une formidable leçon qui montre que pour le développement de l'immobilier, mais de l'économie en général, encore faut-il un système financier puissant. Et les frères Pereire l'ont démontré par leur rapport du financement de l'immobilier. Et puis, à la fois pour l'immobilier et à la fois pour la banque, le Second Empire, c'est une époque assez particulière, puisque finalement, c'est le début de grandes aventures du secteur immobilier et bancaire. Si vous prenez les établissements bancaires aujourd'hui, ben, nombre d'entre eux, Crédit Foncier, mais aussi d'autres, sont nés sous le Second Empire avec les frères Pereire. Merci beaucoup Nicolas Pécourt pour le Crédit Foncier avec nous régulièrement pour nous faire vivre ces grandes sagas et nous faire redécouvrir surtout ces grands personnages qui ont marqué l'immobilier et auxquels on doit beaucoup quand même. On a un héritage absolument fabuleux ici en France. Merci beaucoup donc. À très bientôt. Et Marie Cœur de Rouen, on se retrouve demain. Oui, à demain.